m'appelle Pierre Porcher, je suis président actuellement du Paris 18 Handball. C'est un des seuls clubs parisiens, si ce n'est le seul, je crois, où l'ensemble de l'encadrement est bénévole. Et j'ai la conviction profonde que le sport et une association sportive de petite taille comme la nôtre ont une fonction éducative essentielle. Il ne suffit pas de proclamer la fraternité pour qu'elle tombe du ciel. Il faut en créer les conditions. La solidarité dans le club, elle est un peu née de ce qui s'est passé en 2009. Quand Marc est décédé, il a fondé le club en 1987, il était président, il entraînait toutes les équipes. À l'époque, on était une trentaine d'adhérents, donc c'est lui qui gérait tout ça. Et quand il est décédé brutalement durant des vacances, Vincent a repris le club. Un phénomène qui est arrivé, c'est que tout le monde s'est mis autour de Vincent pour l'aider. Le président, donc en un an et demi que je l'ai côtoyé, donc qui était aussi notre entraîneur, personnellement, je l'ai rapidement considéré comme une sorte de deuxième père. Le club était un peu en difficulté à cette période-là de sa vie et enfin Vincent avait besoin d'aide pour entraîner des jeunes et puis avec Guillaume on s'est dit pourquoi pas nous et on s'est lancé dans l'aventure. Le premier jour que je suis arrivé au club, j'étais un parfait inconnu pour tout le monde. 15 personnes qui viennent vers moi me serrer la main, me dire bonjour, bienvenue. Le premier jour, c'était un vendredi d'avril. Et quand j'ai passé la porte du gymnase, il y avait des gens qui étaient en train de jouer un peu, faire des tirs. Et bah tout le monde s'est arrêté, tout le monde est venu me voir, tout le monde m'a demandé comment je m'appelais. Et tout de suite, forcément, on se sent accueilli, on se sent quelque part un peu déjà chez soi. Donc c'est vraiment un phénomène d'intégration hyper rapide et ce qui donne en fait envie de rester par la suite. C'est ça qui caractérise le club, c'est ça, c'est son ambiance familiale, conviviale, où tout le monde va voir les matchs de tout le monde, les moins de 11, de moins de 13, de moins de 15 viennent voir le match des seniors. Et c'est vraiment ça qui caractérise le club. Paris 18, pour moi, c'est presque une deuxième famille. Je m'appelle Mathéo et j'ai 11 ans et je suis au P18. Je m'appelle Liliam, je fais partie du P18, j'ai 11 ans. Pour moi, ce que j'aime dans le P18, c'est un peu le côté famille de l'équipe. P18, j'aime bien, tout le monde s'entend bien. Et par exemple, des fois, on est tout seul et les parents, ils nous voient tout seuls et ils proposent de nous ramener chez nous. On forme en bas à rebond à gauche, en bas à rebond à gauche et gardien, il était en boule en bas à droite. Alors moi, le président, je l'aime beaucoup parce que il a une façon de parler avec nous qui est claire et simple. Même si des fois, il utilise des mots que je comprends pas trop, mais on fait avec. Hein. Mais sinon, oui, moi, le président, je l'aime bien. Hein. J'adore voir les petits, les voir se démener. Parfois, ils gagnent, parfois, ils perdent, ils courent, ils sont heureux. Ouais, ça me rend fier. Bonjour, je m'appelle Lydia. Je suis la mère d'un jeune qui est en moins de 17. J'espère que le club va continuer de se développer, tant sur le plan sportif que sur le plan convivial, que les jeunes prendront la relève pour que le club continue d'exister. J'espère, ça me ferait vraiment plaisir, ça me rendrait fier, qu'on ait pu inspirer les gens qui sont passés par le club ou qui y passent encore, autant que nous, on a été inspirés par le président. Si dans le futur, oui, je veux être en pro, parce qu'en fait, j'aime bien les équipes et tout ça. Enfin, j'aime bien l'ambiance du handball et pourquoi pas aussi être pro. J'aimerais bien faire coach et entraîneur, enfin, reprendre un peu le club et voilà. Ça la défend. Ça me rendrait vraiment fier parce que ça bouclerait la boucle, la recommencerait aussi pour eux, parce que c'est vraiment ces valeurs qui étaient transmises par notre ancien président et qui ont fait qu'on l'a repris. Yeah.